Hey mes citrons, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la suite du 100 Baby Challenge. Alors, oui, vous avez été nombreux à me dire, Kinzel, tu te trompes, il faut pas que tu choisisses les traits toi-même, ce sont des traits qu'il faut que tu génères. Eh bien écoutez, je vous ai écouté, je suis allée sur le site et pour les toddlers, donc pour les bambins, générer des traits. Alors bon, ça, pour le garçon, j'ai généré le trait charmeur. Alors honnêtement, je sais pas. Alors attendez, je peux vous montrer, on va sur le garçon, il me semble qu'on peut voir le trait, voilà, charmeur. Ces bambins adorent socialiser, ils développent plus vite la compétence communication et ne ressentent pas le danger de l'inconnu en présence de Sims qu'ils ne connaissent pas. Ils peuvent partager de l'amour avec d'autres Sims, trait de caractère. C'est très bien que c'est du trait de caractère. Mais du coup, pour sa sœur, j'ai eu un petit peu moins de chance puisqu'elle a le trait pénible, on l'adore. De petits fauteurs de troubles qui adorent pleurer, faire des bêtises et piquer des colères, mais se faire remarquer les rend heureux et les aide à surmonter les états d'esprit négatifs. Voilà. Donc comme vous avez pu aussi le constater dans l'intro, on a préparé le gâteau pour faire grandir les enfants, puisque oui, c'est leur anniversaire aujourd'hui, et le but c'est de ne pas qu'ils soient tristes en grandissant, puisqu'on aura oublié leur anniversaire, voilà. Et d'un côté, on se dit c'est pas plus mal, ajouter des bougies d'anniversaire. C'est pas plus mal puisque voilà, enfin ils pourront aller à l'école et puis laisser leur maman un petit peu tranquille, hein. Je dis ça, je dis rien. Allez, c'est parti, on va voir à quoi vont ressembler les enfants, enfin en mode enfant quoi. Quand tu es fatiguée, elle aussi est un peu fatiguée. Attends, non, prends dans ses bras. Non, ne va pas dormir. On va commencer par la petite Angela. Ne viens pas ici ma petite, nous allons voir à quoi tu vas ressembler. Moi j'ai hâte, franchement j'ai hâte de savoir à quoi ils vont ressembler. Est-ce qu'ils vont toujours se ressembler d'ailleurs? Mais qu'est-ce que tu fais? Non, attends, je suis allée un petit peu trop vite. D'ailleurs ils sont tous fatigués donc ce serait bien de faire l'anniversaire. Bon, il est que 16h de l'après-midi, c'est bon. Voilà. Et d'ailleurs il faut deux gâteaux puisqu'ils sont deux, non? Ou bien, ah non, je lui fais souffler les bougies. Et après, je prends le garçon, Angelo. C'est trop mignon. Et boum, balaboum. Angela vieillit. Alors là, pour le coup, j'ai déjà préparé à côté. Donc c'est toute l'heure. J'ai déjà mis les traits du papa et de la maman pour voir quels traits devraient avoir les enfants. Et du coup, ben, je sais pas, apparemment, vu que c'est des jumeaux, à tous les deux, on doit leur mettre le même truc. Et du coup, si c'est un enfant, il faut qu'il soit créatif. Et Rambutus Camp, je sais pas ce que c'est, mais on va aller voir ça. Alors, créatif. On va mettre créativité, bah ouais, bah écoute, on n'a pas trop le choix. Et ici, je suis désolée, mais je ne sais pas ce que c'est Rambutus Camp. La fille, attendez, je... Google est ton ami, merci Google. Rambutus Camp. Ah, c'est faculté motrice. Mais ça, c'est pour les enfants, je comprends pas. Alors, je vous avouerai que je Generated Thread et... Ah, d'accord. Donc, non, je dis des bêtises. C'est l'aspiration. C'est pas ça. C'est faculté motrice, hein. Ouais, c'est faculté motrice. Non, motrice, c'est ça, voilà. Et là, c'est là qu'il faut mettre créatif. Créatif, voilà. C'est ça, voilà, on y arrive. Je disais, j'ai le micro en plein milieu de l'écran en plus, c'est compliqué. Mais ouais, c'est bon, on a trouvé, donc voilà. Et j'ai déjà les traits pour le moment où il sera adolescent et pour le moment où il sera adulte. Bon, on verra bien. Mais d'ici là, vous ne le saurez pas, moi je le sais, mais vous le saurez au moment où ils deviendront adolescents et adultes. Bon, après, adultes, j'ai envie de te dire, ils vont pas rester longtemps dans la maison si on doit faire des bébés. Et voilà. Oh mon dieu, oh, j'adore. Par contre, elle a déjà les cheveux gris. Ça, c'est à force de stresser, d'être pénible quand elle était petite. Et des chaussettes de couleurs différentes. Oh mon dieu. Et attendez, maintenant, il faut qu'on prenne le garçon. Maintenant, Angelo, il va y passer aussi.
Et on va lui demander de remettre des petites bougies d'anniversaire pour son frère maintenant. Allez, prends-le dans les bras. Déjà, la fille, ça me fait peur un petit peu là. Vu la petite. Bon, en espérant qu'on aura quand même un petit peu plus de chance. On va-t-elle le prendre dans les bras? Genre, ça dure 2 secondes, on a le temps de rien faire. Prendre dans les bras. Faire souffler les bougies. Voilà. C'est parfait, on va lui faire souffler les bougies. Ah! Ah! Alors, on va lui mettre la même chose. Et créatif, voilà. Oh non, c'est un renard! Oh mon dieu, c'est un renard! Oh, je savais pas que Brent avait des gènes de renard. Mais bah voilà. On a des enfants un peu bizarres, mais c'est pas grave. Il va falloir réaménager toute la chambre. Mais ça, je le ferai, je pense, un peu plus tard. Hein, pour l'instant, ils peuvent encore dormir dans leur lit, je crois, non? En tout cas, ils peuvent manger du gâteau, ça c'est sûr. Et tu veux pas manger un petit peu de ton gâteau, là? Allez, prends un morceau. Prends un morceau. Alors, pour faire grandir... Ta-ta-ta, j'ai ici... C'est où? Voilà, donc pour faire grandir les enfants, c'est une fois qu'ils auront un A à l'école. Donc, ça va, c'est rapide, en fait. Oh non, c'est cassé. Non. Je sais que t'es un gentil garçon, mais non, ne lave pas. Ne le lave pas. Pourquoi il est triste? T'es triste. A fait un cauchemar. Mais non. Bon, allez, va aux toilettes. Et puis, go. Ah, ils peuvent plus se coucher. Non, on est obligé de lui acheter au moins. Bon, on va acheter au moins les lits. Parce que c'est vrai que là, s'ils peuvent pas se coucher, ça va être un peu compliqué. Par contre, faut qu'on garde les lits. Hein, puisque ça aussi, on peut garder tous les trucs. Parce qu'on va réavoir des bambins, c'est sûr. Donc, autant les garder. Mais je sais pas quoi en faire. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai que ça commence à être un peu petit. Il va falloir qu'on commence un petit peu à générer de l'argent. Ça ne va plus. Bon, pour l'instant, allez, les lits, on les fout dehors. Hein. C'est pas bien grave, ça aussi. Parce qu'il va y avoir pas assez de place. Ça, je t'avouerai que ça sert un peu à rien. Parce que finalement, je préfère que les bambins prennent à manger tout seul. Donc, je pense que limite ça, on peut le supprimer. Ça nous fera de l'argent. Et on va aller dans les chambres. Les chambres, trouver un petit lit, enfin des petits lits plutôt même, pour les enfants. Bon dodo, celui-là il me paraît bien. Les enfants, quand vous allez enfin vous coucher, utilisez les couvertures pour vous cacher, mettez-vous vite à l'abri sous vos jolis draps, avant que le monstre ne sorte vous croquer les doigts. Ah, c'est pas très gentil ça, comme message, j'ai envie de te dire. Oh, j'aime bien ces... Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ouais, je suis pas... Bon, on va chercher dans les lits en général. Oh là là. La fille qui est en train de caler sur un lit. Ça c'est quoi? Pour les bambins uniquement. De toute façon, il faut un lit, une place. Hein. Ah, soulagement du stress et soulagement de l'inconfort. Mais 800... Ouais. Et bon, au moins investir dans un bon lit, ce serait pas mal, quoi. 5-3-3. Et là, c'était 5-2-2. Là, c'est 5-3-3. 5-3-3. 5-3-3. Oh, 1460. Oh là 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 là. C'est cher. Là, je peux pas parce que ce serait de la triche. C'est aussi là où il y a 10, je ne peux pas. Par contre, là, ouais, lycée, princesse Cordelia. Oh, 8500, c'est plus. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. C'est moi que c'est une blague. Bon, vous savez quoi, pour l'instant, on va prendre cela. Hein, je pense que c'est pas mal. 4-1-1, et là, c'est 5-2-2. Ouais. Oh, 4-2-2, c'est pas mal. 4-2-2 à ce prix-là, je prends. Bah, je pense qu'on va prendre ça. Au niveau des couleurs, on part sur quoi? Celui-là me plaît bien. Et pour lui, version bleue.
On va prendre ça. Par contre, là, ça va être compliqué, effectivement. Va falloir agrandir tout ça, hein. Je dis ça, je dis rien. Tout ça, je peux encore le garder entre les deux. Plus ça va bien avec le décor chien. Enfin, c'est chien, c'est chat, hein, on dirait plus que des... C'est des lits sommier-chat, quoi. Ça, je peux le récupérer, du coup, on le remet là. Par contre, pour mettre ça, ça va être compliqué. Bon, pour l'instant, je remets le lit ici parce que j'aime pas laisser les lits dehors. Hein. Parce que ça fait pas très très RP. Bon, à la limite, si ça c'est en plastique, on peut le laisser dehors pour le moment. Ce serait bien de faire un mini jardin ensuite après. Ou je sais pas, non, on fera une salle de jeu, etc. etc. On verra bien. En tout cas, pour le moment, ça va rester comme ça. Vous inquiétez pas, ça va très vite changer. Bon, on a encore 2 sims plus, c'est pas mal. On va pouvoir agrandir. Mais pour l'instant, hein, on va laisser comme ça. Ça va être un peu le bordel. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, je m'en occuperai de ça tout à l'heure. Alors toi, oui, je t'ai demandé d'aller au pipi room et ensuite aller au dodo. Donc pipi room et là au dodo, tu vas réclamer celui-ci et tu vas aller dormir. Et ça, voilà, faire un petit peu d'argent. Voilà, c'est parfait. Par contre, toi, si tu pouvais carrément aller dormir, ce serait limite mieux. Hein. Ça, on range dans le frigo. Ensuite pareil. Bon, elle est pas comme son frère, hein. Elle va certainement pas laver son assiette. C'est pas plus mal, hein. Voilà, bon, c'est un peu le dawa dans leur chambre, mais bon, c'est le temps de changer. Voilà. Félicitations pour ton récent anniversaire. C'est un peu tes gamins, Brent, hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. C'est un peu ses enfants et même pas ils viendraient à leur anniversaire. En plus, il y a un renard. On a un enfant renard. Bon, c'est swag, hein, au moins. C'est sympa. On a un enfant renard. Renard ou loup? Bah, c'est vrai que les renards, ils sont uniquement roux. Raton laveur, peut-être, tiens. Mais non, en fait, c'est vraiment un renard, mais renard noir, quoi. Alors, là, on va les réveiller. Hygiène, ok, bof. On va prendre une douche. Prendre des restes et puis faire les devoirs hein, puisque on veut, en plus on est mardi, ça tombe bien les enfants, c'est pendant la semaine, pendant les cours, donc on va pouvoir assez rapidement leur mettre des A et ensuite les faire grandir. Et pour lui, on va le réveiller également, on va lui demander de commencer par manger. Voilà, pas envie de faire pipi. Elle peut aller aux toilettes pendant qu'il y a sa fille. Oui, ça dérange pas. Tendu. Pourquoi t'es tendu? Enlever la nourriture gâtée. Ah, il y a plus de nourriture? Il y a plus de nourriture? Ah non, il y a juste ça, mais ça va, il y a encore du gâteau. Bon, ça va pour le matin, manger du gâteau, ça passe. Par contre... Non, mais lave pas les... Ne les lave pas. Gâteau hamburger. Oh, c'est sympa ça. On va faire des... Tiens, gratin taco de groupe. Voilà. Il a fini ses devoirs, je crois. Il a fini ses devoirs, c'est parfait. Bah, écoutez, il est 4h du matin. On va en profiter pour après lui demander de faire le tour du patelin à la place de sa maman. Hein, les devoirs sont faits, il est bien. On va lui faire travailler un petit peu. Hein. Par contre, c'est vrai qu'ils peuvent pas creuser, les enfants. Oh, il y a un petit citronnier juste à côté. Ils peuvent juste ne pas creuser. Ah, chercher des grenouilles. C'est vrai que j'ai oublié, mais il faut que je fasse reproduire les petites grenouilles de la maman. Les petites grenouilles. Bah dis donc, ça copule hein, là-dedans. Ça copule. Voilà, la nourriture, elle est prête. Ça, elle peut manger. Elle prend... prendre une portion. Voilà. Et toi aussi, tu peux prendre une portion. À place de manger du gâteau, du coup, tu pourras manger du gratin dès le matin, pourquoi pas. Et ça, on va le ranger. Et voilà. Et du coup, quand tu auras fini de manger, bah, tu auras t'entraîner.
Parfait. Et bah écoutez, on s'en sort plutôt pas mal. Les enfants ont grandi. Non, non, non. Bon, tant pis. Et bah tant pis. Il est en train de courir. Là, il va ramasser ces deux-là. Je sais pas, il faut que je vérifie quel genre de grenouille il a chopé dedans. C'est assez important. Là, je vois rien. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de cailloux. D'habitude, il y a toujours des cailloux ici. Ah bah ici, il y en a pas mal par contre. On va être posé à la recherche d'un trésor. Ok, de toute façon, il a combien? Il a encore 1h30 pour faire un petit peu le tour. Bon, j'espère qu'on aura le temps, mais bon, sinon c'est pas grave, elle continuera. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle? Est-ce qu'elle peut faire du travail supplémentaire pour l'école? Non, elle peut pas faire de travail supplémentaire, comment ça se fait? Et du coup, à l'école, elles ont quelle note? C'est ok, ils commencent toujours avec un C, je pense. Je pense que dès qu'un bambin devient un enfant, il commence par C. À moins que, je sais pas, peut-être qu'il y ait des aptitudes qu'on peut leur faire apprendre quand ils sont bambins qui font qu'ils sont mieux après. Oh, regardez, elle est habillée comme une petite chinoise. J'adore. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire des bêtises. Je sens qu'elle va faire des... Ah non. Je vois... Ah, elle peut encore... Oh, c'est super ça, les enfants peuvent encore jouer avec ça. Je pensais que c'était que les bambins. Et bah écoutez, on va laisser jouer. Hein. Ce favoritisme. Le garçon, il est en train de faire le tour du patelin pour essayer... D'ailleurs, en plus, il a pas... Ah, j'ai oublié de remettre... Speed Line Effect. J'oublie tout le temps, mais ça m'a même pas perturbé. Il a plus sa petite queue et ses petites oreilles. Bon bah écoutez, c'est juste un cosplay. Finalement, ce n'était pas... Faux salaire, ce n'était pas un enfant renard. Bon, je vais la laisser faire son petit piano, parce qu'il faut qu'elle monte niveau 9 pour pouvoir commencer à composer, à gagner de l'argent grâce à ça. Quant à lui, dans son inventaire, qu'est-ce qui se passe dans son inventaire? Bon bah 30 simples, on peut vendre. Les capsules, on m'avait dit qu'il fallait les vendre comme ça. Eh ben écoute, elle part à l'école, lui aussi va partir à l'école. Les capsules, on les vend. Et puis voilà. Ok. Il part à l'école et puis du coup on reste seul avec notre petit Angel. Angel va déterrer une capsule. Mais t'inquiète la capsule, t'inquiète. On va composer. Elle va devenir une grande artiste. D'ailleurs elle a combien? D'ailleurs attends, stop. Je vois pas son truc augmenté. Attends, je vais demander d'arrêter. Demander de s'entraîner. Ah bah si, c'est bon là. Peut-être que c'était parce que j'avais désactivé les trucs au-dessus de la tête. Maintenant, on les voit. Voilà. Il faut encore qu'on monte d'un... Non, je pense qu'elle peut déjà composer. On va demander de composer. Est-ce qu'on peut déjà vendre nos compositions ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va lui demander de composer. Oh bah mon dieu, ça augmente pas. La barre, elle augmente pas en bas à gauche. Oh, désolé. Pardonnez-moi. Elle va composer pendant 300 ans comme ça. Bon, déjà, on commence à chercher notre prochaine victime. Hein, victime papa. Il va se faire papapiser. Hein, il va devenir papa sans le savoir. On va voir dans notre liste de contacts, Yaki. Eh bien, Brent, je suis désolée, t'es déjà papa. Bah, il y a le vampire. Il y a le vampire, mais on peut pas l'appeler. Oh, il y a Brent. Bonjour, Brent. Attends. Bonjour. Attends, il y a un monsieur. Bonjour. Enfin, de se prendre la tête. On va commencer à discuter avec lui. Essayer de réconforter devant Brent en plus. Reste là.
Illuminer la journée alors que t'es triste. Ah, les enfants sont rentrés. Mais non, où tu vas? Lui aussi, il est triste, en fait. En fait, ils sont en train de se rendre tristes mutuellement. Tu sais, ils dépriment ensemble. Peut-être raconter des histoires drôles, ça sera mieux. Et pendant ce temps-là, les enfants, qu'est-ce qui se passe? Ok, faire les devoirs. Et toi, faire les devoirs. Et ensuite, tu pourras les jouer quand tu auras fini. Oui, oui, oui. Voilà. Oh, elle a failli se faire écraser. Complimenter sa servante. Ça va, ils sont heureux, c'est bon. Raconter une blague sur les ingénieurs. Oh. Ouh, il commence à se draguer. Complimenter la tenue, flatter, tout ce que tu veux. S'extasier à propos des sonates de piano. Ah bah non. Oh non. Non, toi, je veux pas parler avec toi. On va essayer de lui offrir une rose. Il est partant. Il est un jôleur. Profites-en. Enlace-le. Fais genre... oui. Drague-le. Posez une question risquée. Ouais, c'est bon. On l'a dans la poche. La question risquée, elle est pas trop passée là par contre. Allez, go pipi room, go à la douche, go prendre des restes et go ouais, composer un morceau. Mais elle peut pas continuer son morceau. Parce que j'aimerais bien pouvoir générer l'argent journalier avec la composition, comme ça après on est tranquille, on peut se concentrer sur faire des bébés et voilà quoi. Avoir un petit revenu qui arrive régulièrement, ça c'est bien quoi. Non. Bah, écoute, si tu es fatiguée, va dormir et laisse-moi m'occuper de ça. Voilà. Des restes et toi aussi va dormir, hein, tout ça y dormir finalement. Le petit chante dans la douche, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et moi, oh non, il a cassé la douche. Bah, par contre, ça c'est pas mignon, hein. C'est pas mignon du tout. Hein. Maman, elle se démène là pour gagner de l'argent. Et toi, tu casses la douche en chantant en dessous là. Lol. Ouf, excusez-moi. Bon, écoutez, de toute manière, moi, je pense que je vais arrêter là cet épisode-là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager la playlist du Sand Baby Challenge. Merci beaucoup. Il y a des gens qui la partagent. Je vous fais de très gros bisous. Et on se retrouve bientôt pour la suite du Baby Challenge. Je rappelle, le Baby Challenge, comme d'habitude, le mercredi, le vendredi à 17h30. Excusez-moi, il y a ma série Netflix qui s'est lancée sur le téléphone, du coup. Et sur ce, moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Voilà, gros bisous à vous. Ciao, ciao.